Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de notre incroyable aventure horrifique sur The Last of Us Part 1, comme d'habitude. 60 FPS évidemment, 4K, plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger. Oh, on se retrouve une bonne demi-heure ensemble et on va suivre Henri et Sam dans la suite de notre folle aventure. Et d'où tu la tiens? J'ai tué l'un d'entre eux. Il lui servira plus. Allez, passez. Alors attends, on va pas passer comme ça parce que il y a beaucoup de médaillons dans les toilettes, hein. Il y a beaucoup de médaillons dans les toilettes. C'est celui de qui ça? Luca Rios, qui a pris sûrement une balle en plein dans la poitrine. Ce fut un terrible décès, mais l'important, comme on dit, c'est de participer. Et on peut dire que Luca a participé. Peut-être quelque chose de cool là-dedans. Non, attends. Non, très bien. Très très bien. Et ben on continue. Bonsoir monsieur. Alors, t'as quel âge? Moi? 14 ans. Et toi alors? Pareil. Ah, t'as 14 ans. Presque. C'est ça. C'est vrai. Ok. Bizarre cette conversation. Qui se moque de la gueule de qui comme on est dans le milieu? J'en ai aucune idée, mais on en saura très vite la vérité. Juste avant de rentrer, on va quand même tout fouiller. On a trouvé des petits pillows. Et ça, ça fait du bien. Attends. On y est. Ah non, bah non. Eh, pousse-moi pas. Voilà. Je me casse, hein. J'ai fouillé avant. Ça va, Ellie? Ok. Et là, on a quoi ici? Ok. Que dalle, vraiment? Ah, une petite note quand même. Une petite note. Est-ce que ça va mener un coffre-fort? Je ne sais pas. Oh, une longue note. Il y a eu un procès public après qu'une bande d'adolescents a abattu une famille qui passait dans notre ville. J'étais sûr qu'ils seraient punis pour avoir enfreint le code, mais au lieu de ça, le chef a dit qu'il pouvait procurer des provisions au groupe. Je n'en croyais pas mes oreilles et ce n'était pas fini. Il a ensuite décrété que nous irions tous à tour de rôle traquer les survivants du secteur afin de rapporter leurs provisions au camp. Il y a eu un long silence, on commençait à s'en aller et puis deux membres du groupe ont commencé à protester contre la nouvelle loi disant qu'on ne pouvait pas nous forcer à faire ça, que ce n'était pas pour ça qu'on s'était battu. Je n'ai même pas levé le petit doigt lorsque les deux seules personnes du groupe affichant une once de moralité ont été exécutées sous mes yeux. La semaine prochaine, c'est à moi de partir à la chasse. On commençait donc forcément à les déshumaniser et à les rendre cruels, en fait, hein, tout simplement. Hein. Et ça, c'est quand même assez terrible, ok? On a notre liberté de penser. Allez, go. Oh, les gars. Bienvenue dans mon bureau. Ça fait longtemps que vous vous cachez ici? Ouais, quelques jours. Mais on a trouvé à manger. Viens. Des myrtilles? On en a toute une réserve. T'en veux? Non. Eh, hey, détends-toi. On craint rien. Alors pourquoi vous êtes pas parti? On attendait juste le bon moment. Et? Viens, je vais te montrer un truc. Regarde ces fils de pute. Tous les jours, ils se retrouvent ici pour surveiller ce foutu pont. Mais le soir, ils sont plus que quelques-uns. Quand le soleil est couché, c'est notre chance. Vu ce qu'il reste, on peut leur passer sous le nez. Ça peut marcher. Oh, ça va marcher. Ça va carrément marcher. Waouh. Ok, prête? Aïe. Attaqué par une myrtille. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire comme ça. Elle a pas l'air de s'en faire beaucoup. Où est-ce que vous alliez? Il paraît que les lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais. Ça te fait marrer? Bah, j'ai juste l'impression qu'il y a un paquet de gens qui misent tout sur les lucioles ces jours-ci. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors, tu sais pas où ils sont et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi? Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Détends-toi. Nous aussi, on cherche les lucioles. Thank you.
On est là. Il y a une station radio militaire abandonnée à l'extérieur de la ville. Les survivants de notre groupe sont censés nous retrouver là, demain. Si toi et ta fille voulaient venir, c'est cette nuit que ça se passe. On devrait se reposer un peu alors. Il dit qu'il faut qu'on y aille. On va devoir être rapide, d'accord? Alors peu importe ce qui se passe, tu me colles. Je te colle. Compris. Bien, bien. Bon, tout le monde est prêt? Ouais. Ok. Vous éloignez pas, ok? Ok, on va quand même fouiller un petit peu. Calme-toi, bichette. T'as déjà essayé? Ouais. C'est rassurant. Relax, grand-père. J'espère que tu connais le chemin. On va tout fouiller. Il y a de belles choses. Un petit établi ferait plaisir néanmoins. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout. Rien du tout. Allez. Oh, attends, bibiche. Toi, tu veux descendre? Moi, je veux monter. Je me dis qu'il y a peut-être... rien en fait. Allez, on y va. On descend. On descend. Ok. Vas-y, ouvre. Je vais check là. Y'a rien ! Ok. Ah. On s'en débarrasse discrètement. Bah mince alors. Bon, à toi de jouer. Ça marche. Hey, comment ça va? J'essaie de me réchauffer. Qu'est-ce que ça donne là-bas? On a abattu quelques infectés, mais aucun signe de... Ok. Quoi? Voilà. C'est bon, allez, on avance. Attends. Y'a quelqu'un qui fait des tirs d'entraînement là ou c'est comment? Ok, et là on a rien. Très bien. Je voulais juste aller fouiller à gauche. Sur un malentendu, y'a du lourd. Bah vous restez là vous! Ok. Alors là comment on va faire? Ça me rappelle une scène dans le théâtre de The Last of Us 2. Scène assez terrible qui plus est. Regarde, le voilà, là! Ok. Ah, béton. Ouh, j'ai eu! Eh, hey, t'as vu ça un peu? Pas mal! Ok. Hey, t'entends ça? Un claqueur! Ouais, je l'entends, mais je vois que dalle! Non, les gars, faut le voir. Oh là là! Comment je vais faire, moi? Comment je vais faire? Comment je vais faire, frère? Là, je l'ai pas, hein. Vraiment, je l'ai pas, hein. Comment m'échapper de ce bourbier, hein? Il vient jusqu'ici, je sais même pas, putain.
sais même pas jusqu'où il va. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ok. Putain, il m'a fait tellement peur. Ok. Bah... Maintenant que je suis là, j'ai l'air d'un con, non? Je sais pas. Y a un monde où je peux le tuer sans être cramé ou pas? En vrai. Ok, il a l'air d'y avoir un monde comme ça, très bien. Ça me plaît. Beau travail. C'est quoi? Et merde. Merde, c'est pas vrai. Tout ceci est très embêtant. Il y a un monde où ça passe? Non, dommage. Droit devant. Ok. Ok. Des vraies patates. Oh putain, non, c'est un pote. Ok. Je l'avais pas vu, lui. Henri, fais attention. C'est compris. Ok. Bon, il y a un monde où ça allait. On va confectionner ça immédiatement. Et on va se l'injecter dans les veines. Là. Ok. C'est bon. Tout va bien. Ouais, tout va bien, tout va bien. J'ai pris quelques balles quand même. Alors, je pensais pas qu'en éteignant ça, je pensais qu'un mec allait se dire, bah attendez, je vais descendre, voir. Et comme ça, bah je pouvais l'éliminer, mais non. J'ai éteint, ça a activé toute la troupe, frérot, de troubadour. Que des saltimbanques, mon ref, qui sont descendus au calme. J'avoue que j'étais moyennement serein. J'étais moyennement serein. Ok. Let's go. Henri, file-moi un coup de main. Ok. T'es prêt? Oh non, merde, vite. Entrez. Ah oui. C'est bon, ça passera pas normalement. Ok. Arrêtez-vous. Merde, ils sont là-bas. C'est pas vrai. Ah, c'est bon. Putain. Allez, venez. Et jamais tranquille ici, hein. Jamais restez tranquille. Restez sur vos gardes, on est encore en danger. Ok. Allez, j'emmène qui là-haut? C'est bon, Sam, amène-toi. Allez, petit, on y va. Allez. Merde. Allez, vite. Allez. Je sens que je vais devoir me démerder tout seul. Faire monter. Désolé. On s'en va. Quoi? Non! Quoi, tu déconnes? Allez, viens! Qu'est-ce que tu fous, Henri? Merde. Encore une fois, foncez! Je pars pas sans toi. Voilà, vraie sœur. On est mort. Joël, dépêche! On est mort. On est mort. Allez, on va vite! Okay. Heureusement qu'il s'est pas visé!
vache. Putain, comment on sort d'ici? Ok. Bah comment on sort d'ici? J'en ai compris, putain. On dirait qu'ils les ont trouvés. Mon dieu. Il y a beaucoup de monde. On se déploie. Ils pourraient venir ici. 1, 2, 3, 4. Oh, les gars, les gars! Merde. Couvre-moi, j'avance. Oh. Le laisse pas filer. Oh, elle lui a envoyé un maxi best-of, sa mère. Viens, bibiche. Voilà. C'est mieux quand ça se passe comme ça, j'ai envie de vous dire. Ok. Fouille cette zone. Pas mal du tout, hein. Ne te sous-estime pas. Merci. Voilà, j'avoue qu'elle a quand même envoyé une Michelle Oman. Elle était exceptionnelle. Elle nous a régalé, la petite Ellie, là. Ok, y a plus rien ici. Un chariot, alors attendez, on va checker où on le met avant quand même. Ok. Ça me dit toujours rien. À l'intérieur, vous croyez? Ah non, c'est peut-être juste... Attendez. C'était peut-être juste pour libérer la porte? Non, je sais pas. On dirait bien, hein. Ouais. On passe en dessous. Ok, c'était juste pour libérer la porte. Oh, attendez. Et merde. Cours, Ellie. Hop, cascade. Yep. Ok. Yep. Combien de balles il te reste? Ils vont nous tuer! Tu vois une autre solution? On saute! Non, c'est trop haut et tu sais pas nager. Je vais t'aider et tu vas t'enfuir en courant. Oh merde. C'est vrai. Tu m'aideras à nager! Ellie! Pas le temps de discuter! Ellie! Fais chier! Ah, j'ai pris le coup. Henri, il est réveillé. Joël, on est vivant. Okay. Tu vois, je te l'avais dit, pas vrai? Il est vivant, tout va bien. Tu sais, c'est Sam qui vous a vu. Vous étiez sur le point de vous... Hey, ça va, qu'est-ce qui te prend? Henri, recule, petit. Il est énervé, mais il va rien faire. T'es sûr de ça? Arrête! Joël! Il nous a abandonnés là-bas. Non. Vous pouviez vous en sortir, et vous avez réussi. Mais revenir vous chercher, c'était le mettre lui en danger. Recule. Si ça avait été toi, tu serais revenu pour nous? Je t'ai sauvé. Il m'a sauvé aussi. On se serait noyé. T'inquiète pas, je vais bien. Pense ce que tu veux, mais je suis content qu'on vous ait vu. Bon, la tour radio est derrière cette falaise.
Ok, il y aura plein de vivres là-bas. Tu vas être heureux de pas m'avoir tué. Eh, on va fouiller cette zone. Ok. Pour voir ce qu'on trouve. Bon, allez, on va checker un petit peu à gauche, à droite. C'est tendu. Ça va? Ouais. Allons chercher cette tour radio. Ça commence... J'ai beaucoup d'armes... C'est vrai que j'utilise jamais le pompe, hein, en vrai. Hein. Beaucoup, beaucoup de balles de pompe. Et j'en trouve beaucoup. J'ai beaucoup de balles de snipers aussi. Ah, let's go. C'est ça que je veux, moi, les bibiches. Hop. Voilà, j'aime bien être à 100% comme vous pouvez le voir. On trouvera peut-être quelque chose dans ce bateau là-bas. Pas attendu, petit. Oh. Ouvre bien l'œil. Oh. Peut-être un truc de ouf. C'est quoi ça? Très bien. Allez, régale-moi des pilules. Des petits clubs. Ouais, c'est pilule presque à l'envers. Bon, un comics, c'est pas mal. C'est pas le meilleur, mais... Ouais, c'est pas tout à fait pareil une fois sur l'eau. Antiparticules. Ok. Ça, on prend. Ah, un petit message. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je crois que j'ai évité le chaos et la destruction assez longtemps. Mon séjour en mer arrive à son terme, je suis à court de provisions et ce bateau a connu des jours meilleurs. Et puis, il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre, l'heure est venue d'aller voir ce qu'il reste de l'humanité. Ça ne peut pas aller si mal, si. Si vous trouvez mon squelette, merci de ne pas me marcher sur le crâne. Ish. Voilà, il s'appelle Ish. Pas trouvé son squelette, hein. Pas trouvé son squelette, hein, le ref. Non, il y a son squelette, là? Non. Sûrement bas. Non, que dalle, mes couilles. Mes couilles. Et ben dans ces cas-là, on va aller faire le tour. Peut-être qu'en haut, il y a quelque chose. Je ne sais pas. Ça va, bibiche? Non, on peut pas monter en haut. Dommage. Dommage, dommage, dommage. On fait quoi? On descend? Allez, go. Hop, parfait. Et là, qu'est-ce qu'on a? Mine de rien, j'avais vraiment... aucun souvenir des zones aussi ouvertes de The Last of Us, en vrai. Hein. Ok. Je peux faire un craft. Je peux faire un craft, c'est une très très bonne nouvelle. On va reload. Je peux pas aller par là. Ouais, effectivement, on ne peut pas aller par là. Et ici, il n'y a rien à faire. Au début, j'ai cru que t'allais descendre. Ouais, j'ai bien failli. Ils sont cool. Je crois que c'est bien qu'ils soient là. Je crois que t'as raison. Ok. Est-ce que tout le monde avait un bateau avant? Hé, Ellie! Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Allons voir ce que c'est. Allez, fais-moi arriver, bibiche. Bon, effectivement, ça a l'air intéressant. Alors, attendez. Eh, je parie que ça donne sur l'extérieur. Hop, ça en prend. Alors, d'ivoire. On est censé faire quoi? J'ai besoin d'un coup de main. Ok, ensemble. Allez, go, go, go. Parti. Ok, les gars, go. Ok, c'est parti. Ok, vas-y. Ok. Hey, sortez volant. Sam, t'éloigne. Alors, ok. Ok, ok. Où? Joël, on devrait aller voir par là. Ah ouais? Ok, on va aller de ce côté. Je te fais confiance, Ellie, mais pas de coup de Trafalgar quand même, hein. Moi non plus, mais on n'a pas vraiment le choix. C'est... Oh, je suis sûr que tu pousses un peu avec les pieds. Il y a un monde où ça passe, hein.
Tu fais pas d'effort, Joël. Allez, Ellie, file. Si tu l'ouvres, je peux me faufiler et dégager la porte. Oh, Burke. Ce rat est énorme. Allez, file. Hey, par ici. On dirait qu'il y a un chemin devant. Ah, alors attendez. Tant que Sam et tout sont pas avec nous, à la limite, je peux rester fouiller ici. Voilà, c'est une réserve. Donc, 3 pilules, c'est pas fou, on prend quand même. On va pas se plaindre. Mais un petit peu. Ok. Oh, 50. Oh. Eh les gars, prochain établi, ça va swinguer, hein, je vous le dis. Hein. Je m'absente quelques mois et le monde part en couille. Il y a des infectés partout et des non-infectés qui essayent de vous descendre. L'humanité est de retour à l'état sauvage. Les mecs, je m'étonne d'avoir survécu aussi longtemps. Ces égouts ont l'air d'être sûrs, entrées et sorties limitées, donc plus faciles à défendre. Et si quelqu'un approche, je peux le perdre dans le dédale de couloir. Je suis peut-être pas balèze, mais je suis rapide. Je fais simplement rester ici le temps que ça se décante. Là-haut, devenir un homme taupe des égouts pendant quelques temps. Souhaitez-moi bonne chance, Ish. On n'a pas encore trouvé son cadavre au Ish. Hein. Il a réussi, hein, le man. Hein. Je rappelle que le Ish, c'était le squelette du bateau. Attendez, est-ce qu'il y a un monde en vrai où ça peut absorber peut-être un peu plus de coups? En fait, ça me fait chier d'utiliser... Ouais, je préfère faire un surin que... Je préfère largement faire un surin que améliorer le bordel, là. Très bien. Très bien. On se casse. Attendez. Maintenant que j'ai fait ça, remarque. C'est quoi? C'est de l'explosif? Niveau explosif, on est au max partout. Putain, mais c'est incroyable, on est vraiment trop chaud. Niveau pilules. Ok, bon, on va attendre d'être à 100, en fait. Hein. Tout simplement pour la vie, on aime la vie ici. Hein. Ok. J'avais la lampe torche allumée. Et là, y'a rien. Pas l'air d'avoir quelque chose. Okay. Vas-y, avance, bébiche. On peut sortir par là? Non, impossible d'attendre ça. Bah, je sais pas nager. Ah! Attends. Attends. Bah, on pourrait faire un truc là? What the fuck? Ok, Joël. Comment on traverse? Faut trouver quelque chose. Attends, mais je suis choqué. On pouvait faire un truc, je suis pas fou. Oh, je vais de l'autre côté. Une sorte de rail. On pourrait peut-être s'en servir. Ah d'accord, c'est parce que c'est lui qui le fait. Il est coincé. Ok. Ah, les problèmes. Ah, j'ai trouvé. Let's go. Oh oui, essaie pour voir. Ok. C'est parti. Ouais, ça va. Ok. Je vais jeter un œil. Merci, Bibiche. Allez, salut. À moi la suite. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Déjà une échelle, plutôt pas trop mal. On va la prendre pour voir ce qu'il y a en haut. Une porte, plutôt pas trop mal. Déjà ça, très bien. On le jette à l'eau. Voilà. On va faire la porte. Il y a peut-être même besoin d'un surin, qui sait? Même pas. Oh merde. Putain. Ok, et de 1. Putain, et la lampe torche qui me lâche à ce moment-là, j'avais totalement oublié ça. Ok. On a eu chaud. Oh non, dites-moi pas que c'est Ish. Oh bordel. Hier, j'ai rencontré des gens qui n'ont pas cherché à me descendre à vue. Étonnant, hein?
On a échangé quelques provisions et fait connaissance. Ils avaient des enfants et semblaient terrorisés. J'ai failli leur parler de cet endroit. Et s'ils étaient comme les autres? Et si... Oh, et puis merde. À quoi bon survivre si personne ne rit à vos mauvaises blagues? Demain, j'irai les trouver. Je leur proposerai de se joindre à moi. Ish! Toujours pas de squelette. Pour l'instant, on est sur les traces du petit Ish. Le frérot Ish. Ok, oh la vache, on prend ça. J'aime bien. Ça, on prend ça. Tout ça pour ça? Oh, quand même, j'ai fusillé... Mais bon, là, j'avoue qu'on est un peu dans une histoire parallèle avec le Ish. Hein. On est d'accord, il n'y a pas de cadavre, hein. Je suis pas fou. Ok. Ok. Eh ben, let's go pour la suite. Attendez, il y a quelque chose là-haut. On va s'y faufiler. Bonsoir. Scotch. Ciseaux. Très bien. Et c'est tout? Et c'est tout. Ok. Eh bien, écoutez, les amis, on va s'arrêter là. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure avec Sam, Henri et Ellie. Bisous tout le monde, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Bye bye.